essayer de partir con la diretta quand même. Però Amelco mi scoccia a spendere 400 euro per un monolocale per tre notti. Che parlo? Ciao Luis. Leo, ci sei? Ci sono, ci sono. Sto facendo la diretta su Facebook e ho iniziato anche a registrare, quindi ok, siamo in diretta su Facebook adesso. E c'è la Chantal dell'ambasciata del Gabon che dice che non Leo, è stata ascoltata. Credo ci sia un problema tecnico. Il faudra nous excuser pour ce petit retard dû au fait qu'il faut organiser un peu toute la partie liée à l'aspect technique. Pardon. Vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez tous. Ça va? Allô? Nous t'entendons, Cléo. Ok, parfait. Je vous disais qu'on est en train d'attendre Madame Niagalo Bakayoko, qui doit avoir peut-être un problème, elle est un peu en retard, mais je pense qu'on va commencer. Et on va la récupérer quand justement elle va arriver. Je vais rapidement, avant tout propos, remercier toutes les personnes qui ont accepté de participer à ce webinaire qui est organisé en collaboration avec Vento et Associati. Je remercie beaucoup Andrea Vento qui est ici aujourd'hui, qui est un partenaire des activités que nous organisons ces dernières années pour essayer de lancer une relation différente et beaucoup plus efficace et concrète entre l'Afrique et l'Italie. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont accepté de participer à ce webinaire, donc les représentants du ministère des Affaires étrangères italien, le Dr Mistretta, le président de Vento Associati, Sergio Vento, qui est ancien ambassadeur en France, M. Mamadou Sawadogo, qui est chercheur, ancien gendarme, surtout expert de thématiques liées au terrorisme et à la sécurité en Afrique, M. Bakary Sambé, qui est le président de Timbuktu Institute African Center for Peace Studies, qui est sénégalais, mais qui s'occupe beaucoup de thèmes liés justement à la sécurité dans la zone Sahel, et
Et on attend, comme je disais, Madame Niagalo Bakayoko, qui est la présidente de l'African Circle du secteur Nutor, qui est une personnalité importante, justement, dans tout ce qui est lié à la sécurité, pas seulement dans la zone alimentaire, dans les pays africains. J'ai oublié, je m'excuse pour ça, de saluer M. Camille Cazola, chercheur associé Afrique ici, qui est aussi un autre partenaire de l'Italie Africa Business Week. Et le thème, comme vous le savez, c'est un thème qui est beaucoup lié à la sécurité de la zone Sahel. La zone Sahel, on le sait très bien, c'est une zone qui, en cette période assez difficile, en train de vivre non seulement le terrorisme islamique, mais aussi les conflits qui sont malheureusement en train de se manifester entre les différentes composantes des communautés qui font partie. Les conflits, justement, sont en train de miner toute la dynamique de développement que certains de ces États ont essayé de mettre en place pour justement booster leur économie, faire grandir leur population et d'une certaine manière, aider les personnes de ces territoires à avoir une vie meilleure. Et on s'est rendu compte aussi que dans ces zones, les armées qui ont de gros problèmes ont essayé de se mutualiser et ils ont formé la force conjointe G5 Sahel, qui est beaucoup appuyée par la communauté internationale, la France qui est présente, l'Italie à peine entrée dedans, l'Italie qui est un pays qui s'est rendu compte que il ne pouvait plus ne pas tenir compte de la relation et de la situation géographique par rapport à la géopolitique et sa relation avec l'Afrique, surtout avec la zone Sahel, parce qu'on le sait très bien, il y a toute la problématique liée à toute la migration, tous les migrants qui arrivent malheureusement en Italie, en passant par la Libye, sont beaucoup de gens qui proviennent du Mali, du Sénégal, du Burkina. Le Niger, c'est surtout une zone de transit, mais c'est quand même une zone très importante de la Guinée et Conakry. Et justement pour essayer de comprendre de quelle manière le pays peut affronter cette situation, ils ont créé de nouvelles ambassades. Donc, il y a une nouvelle ambassade au Burkina Faso, il y a une nouvelle ambassade au Niger. Et je sais, sûrement, monsieur le directeur Mistret va nous confirmer aujourd'hui, il y a aussi cette idée d'ouvrir une ambassade au Mali, parce que l'Italie s'est rendue compte que c'est une zone très importante, non seulement pour sa sécurité, mais pour son développement. Il y a eu, dernièrement, j'ai participé à cette mission, une mission avec la vice-ministre Mandela Adeleye l'année passée, qui a été organisée dans les trois pays de la zone Sahel, Mali, Burkina, Niger, justement pour rencontrer les autorités de ces trois pays et comprendre de quelle manière l'Italie peut participer à une coopération qui puisse être efficace et utile aux deux réalités. Et l'année passée, on a aussi la visite du ministre de la Défense burkinabé en Italie, le ministre Chérif, qui était venu justement pour... qui a signé un accord de partenariat militaire avec l'État italien, un accord qui justement pouvait être défini en trois points, une coopération qui puisse être une coopération qui puisse aider le Burkina Faso dans la formation, dans l'accompagnement, dans les investigations et dans la lutte contre non seulement le terrorisme, mais pour aider aussi au développement de ce pays-là. La conférence d'aujourd'hui va nous permettre, justement, je vois que Madame Bakayoko est arrivée. Merci beaucoup, Madame Bakayoko, vous êtes là. C'est super. Merci pour être avec nous aujourd'hui. On est très contents de vous avoir. Toutes mes excuses, j'ai dû changer d'ordinateur, en fait. Vous avez dû voir que j'étais connectée aux élèves. Il faudra remettre le microphone si vous voulez parler. Okay. Je présentais mes excuses pour mon retard parce que j'ai dû changer d'ordinateur puisque je n'arrivais pas à me connecter depuis l'autre tout à l'heure. Donc, toutes mes excuses pour mon retard. Parfait. Merci beaucoup. On est content que vous soyez là, surtout que vous êtes la première. Donc, c'était très important de nous avoir aujourd'hui. Et la présente conférence sera pour objectif d'analyser les principaux défis et enjeux sécuritaires auxquels est confrontée la zone Sahel avec des experts africains et italiens, des ambassadeurs et diplomates africains et italiens. On va essayer d'identifier les défis et menaces sécuritaires que rencontre le Sahel présentement, appréhender leur nature et causes
ainsi que les principaux acteurs qui animent ces menaces, de comprendre si les stratégies développées par les différents partenaires, dans notre cas l'Italie, parce que nous on parle d'Italie ici, sont susceptibles de contribuer à l'amélioration de la sécurité de la zone Sahel. Donc moi je vais rapidement laisser la parole à M. Touadi en rappelant qu'aujourd'hui au Mali il y a 5 chefs d'État africains qui sont justement dans le groupe pour essayer de comprendre comment aider ce pays à sortir l'impasse politique qu'il est en train de vivre avec une opposition très forte qui demande justement la démission du président. Et on sait très bien que la première fois qu'il y a eu un président qui a dû démissionner et quasi fuir au Mali, ça a créé un chaos. Et le chaos que malheureusement en train de vivre le pays Mali et qui justement n'a fait que s'empirer et ne peut que n'être affronté qu'avec une vision politique réelle et non seulement liée à la sécurité mais au développement. Et ces chefs d'État, le chef d'État du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, vont essayer justement de trouver une solution en respectant la constitution, elle est très importante, mais aussi en essayant de trouver des réponses aux besoins et aux questions posées par cette opposition qui est justement contre la manière de gouverner le pays. Un problème qu'on vit un peu dans tous les trois pays de la zone Sahel parce qu'il y a le problème de l'insécurité, on sait pas que il y a la corruption, et il y a les armées qui sont très mal équipées. Et tout ça n'est pas vraiment à lutter contre cette insécurité qui malheureusement mine les économies et mine les relations entre les personnes. Donc je vais laisser rapidement la parole à M. Touadi en remerciant toutes les autorités italiennes et africaines qui participent. Je sais qu'il y a des représentants du Roma qui sont là, il y a des représentants de la FAO, il y a certaines ambassades africaines qui sont ici, il y a des consulats. Et aussi des amis qui sont sûrement intéressés à cette thématique. Donc, je remercie toutes les personnes qui sont là et je vous souhaite une bonne conférence, une bonne journée et surtout que ce soit une journée utile pour tout le monde. Allez, bonne journée, à toi la parole, Touadi. Il faudra mettre le microphone, Touadi. Merci beaucoup. Merci pour cette importante initiative. Monsieur Cléophas Diomma, je le répète, il est l'exécutif de l'Italie et protagoniste de plusieurs activités en Afrique, en Italie. Merci pour cette opportunité. Je remercie tous nos amis qui ont très justement accepté d'être présents ici ce soir avec nous pour cette importante réflexion. Je vous remercie. Je vais les présenter au fur et à mesure qu'ils ont la parole. Je n'ai pas d'introduction particulière à faire après ce que Cléophas vient de dire. Je crois que l'enjeu. Toi, dis, on a un problème pour t'entendre. Ça va mieux, mais. Ouais, c'est déjà mieux, ouais. Vas-y. Ça va mieux. Voilà, c'est bon. Donc, je dirais que je n'ai pas d'introduction particulière par rapport aux axes que tu as fournis pour notre blog de ce soir. Je remercie très sincèrement les personnalités qui sont présentes à cette conférence. Je crois que c'est important de réfléchir à la question de la sécurité dans le Sahel, dans un pays comme l'Italie, de plus en plus impliqué dans les dynamiques de l'Afrique de l'Ouest et dans les dynamiques du Sahel. Il y a des réflexions importantes à faire du côté italien et du côté européen et nous avons des personnalités de relief qui vont le faire. Mais en même temps, nous avons cette opportunité de dialoguer avec des personnalités africaines qui travaillent sur ce dossier, qui sont informées et qui peuvent nous donner un éclairage tout à fait inédit par rapport aux analyses parfois superficielles
que nous avons de la réalité du Sahel ici en Europe et en Italie. J'aimerais simplement souligner l'importance de ce dialogue parce que la question du Sahel peut être perçue, a été perçue et pourrait être simplement perçue comme une question d'urgence pour l'Europe et pour l'Italie afin de contrer l'immigration. J'espère que ce dialogue mettra en lumière les vrais enjeux géopolitiques, géostratégiques, sociaux, culturels, de gouvernance que la question du Sahel pose à nos États, pose aux responsables et aux décideurs politiques africains, pose aux responsables et aux décideurs politiques italiens. Donc je vais, sans perdre de temps, passer tout de suite la parole en la remerciant de sa présence à Madame Niagale Bagayoko, qui est présidente de l'African Security Sector Network, qui va nous éclairer de son point de vue sur la question qui est posée sur la table de notre dialogue. Je rappelle à nos orateurs que nous concédons à chacun d'entre eux 6 à 7 minutes pour un premier exposé qui nous permettra ensuite un dialogue beaucoup plus profond et élargi entre les orateurs et aussi entre le public qui participe à cette importante manifestation, important dialogue avec nos orateurs. Donc, je vous prie d'être dans les temps que nous nous sommes fixés afin d'avoir un dialogue beaucoup plus riche et afin de permettre à vous-même d'avoir peut-être un deuxième et un troisième tour de table. Madame Bagayoko, vous avez la parole. Je vous remercie de me donner la parole et je remercie également les organisateurs de m'associer à cette manifestation, d'autant plus que bon, je ne m'exprimerai pas aujourd'hui en italien, mais j'ai vécu un certain nombre de mois en Italie et c'est un pays qui mi piace molto. Donc je vais commencer par évoquer, à mon avis, la façon dont il faut concevoir la situation au Sahel comme relevant vraiment d'une dynamique de crise multidimensionnelle. On a trop tendance, en effet, actuellement, à lire ce qui se produit dans cette région, sahélo-sahélienne, à travers le prisme de la lutte contre les groupes djihadistes. Ça, c'est généralement le prisme qui est retenu côté français et effectivement côté italien à la lire à travers la problématique de la question migratoire. Mais il me semble qu'il est essentiel aujourd'hui de voir l'ensemble des dynamiques qui la caractérisent. Tout d'abord, si l'on s'arrête brièvement, et je ne suis pas du tout spécialiste de cet aspect-là, mais sur la seule question migratoire, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les principaux mouvements de déplacement des populations se produisent entre ou au sein même des pays sahéliens. Si on prend le seul cas du Burkina Faso, il y a aujourd'hui entre 900 000 et 1 million de personnes déplacées au sein même du pays. Et les dynamiques dans l'ensemble de la sous-région sont d'une échelle comparable. Donc ce premier point paraît très important. En ce qui concerne la lutte contre les groupes terroristes, là aussi, à mon avis, il est très important d'introduire des distinctions. Parce que tous les groupes djihadistes ou terroristes ne poursuivent pas les mêmes objectifs, n'adhèrent pas aux mêmes doctrines et surtout ne recourent pas aux mêmes techniques de combat, notamment en ce qui concerne leurs relations avec les civils. Il convient, pour simplifier les choses, de distinguer deux types d'acteurs. D'une part, les acteurs qui sont affiliés à Al-Qaïda, et ceux qui sont affiliés à l'État islamique.
les acteurs affiliés à Al-Qaïda sont dans leur grande majorité issus des groupes djihadistes qui ont lancé l'offensive de 2012 dans le nord du Mali et qui ont muté ensuite pour prendre différentes appellations, mais qui se sont coalisés au sein d'une organisation qu'on appelle le JNIM, sous son acronyme en arabe, ou le JSIM, sous son acronyme français, qui est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dont le chef est Yad Aghali, un Touareg du Nord, et dont l'un des leaders les plus importants à l'intérieur de ce groupe est le prédicateur Amadou Koufa, d'origine peul, et qui est particulièrement influent au centre du Mali. Face à l'état d'essaim, face à cette coalition du JNIM, se trouve ce qu'on appelle souvent de manière impropre le IGS, c'est-à-dire l'État islamique au Grand Sahara, qui est en réalité la branche saharienne de la province Afrique de l'Ouest de l'État islamique, qui s'appelle ISWAP, et qui est dirigée par Abou Aïd al-Sahraoui, qui était aussi l'un des membres des groupes qui avaient perpétré des attaques au Mali initialement, et qui aujourd'hui est en lutte contre le GSIM lui-même. Donc il ne faut pas penser que les groupes terroristes ont des stratégies coordonnées, même s'il y a pu avoir des coopérations de par le passé, mais au cours des derniers mois, notamment depuis le début de l'année 2020, ils se sont affrontés de manière extrêmement violente. Et c'est au-delà des pertes infligées par l'opération Barkhane, menée conjointement avec les pays et les armées du G5 Sahel, a contribué à affaiblir le dit groupe EIGS. Il est aussi important de voir quelles sont les cibles de ces groupes. C'est-à-dire que depuis quelques années, le GSIM a décidé de s'en prendre essentiellement aux représentants de l'État et aux forces armées, alors que l'EIGS recourt à des pratiques beaucoup plus violentes vis-à-vis des civils. Mais au-delà de ces groupes djihadistes, qui sont particulièrement violents et qu'il convient bien entendu de combattre, il est important aussi de savoir que d'autres groupes perpètrent des violences. C'est notamment le cas des milices qui se sont mises sur pied justement pour compenser l'absence de l'État et des forces de défense et de sécurité dans certaines régions du Sahel, notamment au centre. Et on a assisté à des massacres intercommunautaires extrêmement violents, notamment, par exemple, entre les communautés Peul et Dogon, dans le centre du Mali. On a vu également d'autres milices, cette fois-ci Touareg, notamment le groupe qui s'appelle le Gatia et le groupe qui s'appelle MSA, qui sont pourtant signataires de l'accord d'Alger de 2015, être utilisés dans une alliance de fait entre les forces armées maliennes, les forces armées nigériennes, et l'opération Barkhane. On s'aperçoit aussi que cette communautarisation de la sécurité se manifeste à travers la mise sur pied de groupes d'autodéfense. Le phénomène est particulièrement patent au Burkina Faso, à travers le rôle des groupes de chasseurs d'ozo, mais surtout des groupes de Kéogel, Weogo, qui eux aussi se livrent à des violences contre les civils. Il est aussi important de dire qu'au Burkina Faso ont été mis sur pied ce qu'on appelle des volontaires pour la défense de la patrie, qui sont soumis à un commandement militaire et qui reçoivent une formation d'une dizaine à une quinzaine de jours, et qui se sont aussi livrés à des abus. À ces acteurs, il faut également ajouter les violences qui sont perpétrées par des groupes criminels que les populations appellent elles-mêmes des bandits, qu'on qualifie parfois de ANI, c'est-à-dire de hommes armés non identifiés, qui causent également de nombreuses victimes. Et enfin, pour terminer ce tableau très sombre, il faut malheureusement signaler les violences et les exactions qui ont été documentées par les Nations Unies, par Human Rights Watch,
par Amnesty International et qui mettent en cause les forces armées des différents pays de la région des trois frontières, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, cet exposé a pour objectif de démontrer la complexité de cet environnement stratégique et sécuritaire sahélien, qu'il est très difficile d'aborder à travers un prisme unique. Il est très difficile de considérer que seule la lutte antiterroriste pourra résoudre le problème, puisque en réalité, on s'aperçoit, comme le démontre aujourd'hui un nouvel épisode de la crise sahélienne, qui est la crise politique que traverse le Mali, qu'une nouvelle strate s'est ajoutée à la déstabilisation de la région. Et si on essaye de trouver un facteur commun à toutes ces formes de violence qui prennent en réalité la forme d'insurrection, qu'il s'agisse d'insurrection par le biais de rébellion, d'insurrection par le biais du djihadisme, aujourd'hui d'insurrection par le biais de manifestations populaires, ce qui est en cause, c'est la capacité de l'État à assurer une gouvernance qui permette à la fois d'assurer la sécurité des institutions, mais aussi celle des populations. Et c'est ce défi-là que doivent relever aujourd'hui, non pas seulement les pays de la région des trois frontières, ni même seulement ceux du G5 Sahel, mais plus largement l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, puisque la menace et la déstabilisation commencent également à gagner les pays côtiers. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui la médiation conduite par chaque chef d'État, de la CDEAO rassemble à la fois des États francophones et anglophones et des pays du Sahel à travers le président Issoufou, mais aussi pour la plupart des pays côtiers. Voilà, je m'arrêterai là pour respecter le temps qui m'a été imparti. Merci. Je remercie infiniment Madame Bagayoko. Il a été extrêmement passionnant de entendre que des médias occidentaux et non seulement occidentaux à vouloir jouer dans la simplification. Or, vous nous avez prouvé avec brio que la situation est complexe, que la géographie est complexe, les objectifs et les cibles, comme vous l'avez si bien dit, des groupes présents sur le territoire sont différents. Je crois qu'il est important de souligner ce que vous avez dit à la fin. Cette complexité de l'environnement, justement, nous pousse à ne pas considérer l'aspect sécuritaire comme l'unique aspect de réponse, si vous voulez, à la question du Sahel. Nous reviendrons sur un certain nombre de questions que vous avez mises sur la table, notamment les stratégies différenciées, mais je crois aussi les alliances qui se nouent, alliances tactiques, des retournements d'alliance qui sont présents dans ces terres géographiques du continent. Merci beaucoup. Nous reviendrons là-dessus. Je vais laisser la parole à une personnalité italienne, M. Giuseppe Mistretta, qui est directeur Afrique subsaharienne du ministère des étrangères et de la coopération en Italie. C'est important, justement, après vous avoir entendu, Mme Bagayoko, de voir un perspective. Je ne suis pas aussi sûr qu'il y a cette perception, au moins de la part de l'opinion publique, de la complexité et de la diversité des acteurs et des enjeux qu'ils mettent sur la table. Monsieur Mistretta, j'aimerais entendre d'abord votre première réaction. Et étant donné cette complexité, est-ce que vous croyez que la réponse de l'Italie, la réponse de l'Union européenne globalement comprise, est à la hauteur de cette complexité? Merci, professeur Touadi. J'espère que vous m'entendez bien. Merci à tout le monde qui participe ce soir. Ah, vous m'entendez? Vous entendez? Très bien, monsieur Mistretta. Ah, ok, merci.
Je remercie tout le monde, ceux qui m'ont invité à participer. Alors, je voudrais être moi aussi un libre penseur, mais je suis aussi le directeur Afrique du ministère, alors je dois aussi présenter l'aspect institutionnel de notre implication dans le Sahel, qui est tout à fait positif. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivé au ministère, ça fait 3 ans, le Sahel n'était pas encore une priorité comme, comme l'argent est une priorité aujourd'hui. Cléophas, tout va bien, hein? Tu m'entends? Non, parce que tu avais une expression négative. Alors, non, je t'entends très, très bien. Je disais que 3 ans, ça fait 3 ans, le Sahel n'était pas une grande priorité pour l'État. Alors, aussi pour la question migratoire, mais pas seulement pour la question migratoire, je dois reconnaître que dans les trois années qui sont passées, maintenant, peut-être le Sahel est plus une priorité pour l'Italie que le Corne de l'Afrique, qui a été traditionnellement notre priorité numéro un. Et c'est là, pour la première fois, je dois dire, j'ai constaté au niveau de l'Afrique qu'il y a vraiment une synergie, ce que nous appelons le système paese, le système de notre pays, qui intervient ensemble, ce qui est très rare, hein. Pour les Italiens, c'est très rare de faire synergie, sur la région du Sahel. Et ce n'est pas seulement pour des motivations migratoires, parce que ou pour le terrorisme, c'est-à-dire c'est toute la complexité de laquelle vous parlez a été prise en charge, disons, par l'Italie, dans le contexte européen, naturellement. Et il y a des résultats très positifs, c'est-à-dire beaucoup de résultats ont été déjà présentés par Cléophas. L'ouverture très vite, c'est une autre rarité, des ambassades à Burkina Faso et au Niger. Maintenant, on est en train de s'organiser pour ouvrir un troisième au Mali et peut-être un futur aussi au Tchad. Il y a un effort de maintenir la coopération dans la région, dans chaque pays de la région, qui n'a pas diminué de toute façon. C'est difficile de la faire augmenter parce que la situation de notre budget, vous la connaissez très bien. Mais de toute façon, de la garder telle qu'elle a été dans les dernières trois années, est déjà une grande conquête, à mon avis. Et comme ça, il y a l'aspect de la coopération, l'aspect de la people to people, qui est très important aussi à la lumière de ce qui disait Madame Bagayoko. Nous sommes dans le format européen. L'Italie est entrée, pas facilement, hein, ça n'a pas été facile, d'entrer dans le format comme l'Alliance Format, comme l'Alliance Sahel, ou maintenant la Coalition pour le Sahel, et d'autres systèmes européens dans lesquels l'Italie joue un rôle non négligeable. Notre Premier ministre a fait une visite au Tchad. Tout le monde était surpris que notre ministre paye une visite au Tchad, parce que peut-être c'est la première fois qu'un Premier ministre italien se déplace au Tchad et au Niger. Dans le Niger, il y a eu plusieurs visites dans les dernières années. Et aussi Madame Del Rey, la vice-ministre des Affaires étrangères, je l'accompagnais avec Cléophas, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, aussi à Nouakchott, in Mauritanie. Et ça vous donne l'idée de la uniformité, disons, de notre engagement. Il y a des cours de capacity building que nous faisons à des fonctionnaires militaires ou non militaires de Burkina Faso, de Niger, sur les douanes, sur le contrôle des territoires. Il y a aussi, ça c'est inutile de le négliger, il y a une collaboration militaire, surtout avec le Niger, mais dans le contexte G5, c'est-à-dire ce n'est pas seulement bilatéral avec Niamey, mais c'est dans le contexte de G5. Tout cela pour dire que, vraiment, je dois dire que c'est la première fois, et moi personnellement, après 37 de service au ministère des Affaires étrangères, je dois dire que c'est la première fois que je constate vraiment une stratégie focalisée sur une région de l'Afrique.
Et c'était depuis plusieurs années que l'Italie n'intervenait pas dans cette mesure dans les Alpes. Alors, pour faire ceci, pour conclure la conversation, c'est naturel que pour les défis qui sont dans le terrain, ce n'est pas suffisant l'effort de l'Italie. Alors, l'Italie est un pays, mais il doit agir dans le contexte européen. Et je dois dire que, à part la France, qui avec la région du Sahel a toujours une priorité particulière, il y a une sensibilité, une priorité commune pour l'Allemagne, pour la Danemark, pour beaucoup d'autres pays qui participent à tous ces formats que je mentionnais jusqu'ici. Malheureusement, je dois dire la chose la plus critique, que plusieurs de ces formats ont été créés pendant la pandémie de COVID. Et comme ça, on n'a pas bien compris au niveau des administrations, du ministère des Affaires étrangères exactement, les caractéristiques, les limites, l'organisation de toutes ces structures, parce que ce sont des structures très compliquées et peut-être complexes dans un contexte qui nécessiterait plutôt de simplicité plutôt que de complexité. Mais vous savez comment ça marche dans le contexte européen, il faut se mettre d'accord à 27, et la coalition pour le Sahel est la dernière structure qui a été créée et dans laquelle l'Italie participera parce qu'elle a été créée récemment. Je m'arrêterai ici, mais avec, si vous me permettez seulement une minute, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, une minute encore, je voudrais dire une chose qui peut être un stimulant pour la conversation ultérieure. Quand nous avons rencontré le président Issoufou, qui à mon avis est un grand président du Niger, il nous a, avec Madame Del Rey et avec les autres visites, il toujours nous a souligné que dans les régions où il y avait le trafficking d'êtres humains ou bien autres criminalités, etc., beaucoup de populations, beaucoup de gens vivaient sur le trafficking. Bon gré, mal gré, on ne donne pas un jugement de valeur, mais vivaient sur cela. Alors, pour éviter que cela arrive et continue, il faut remplacer le trafficking avec du commerce, avec des industries, avec des investissements. Et malheureusement, toutes les initiatives que l'Europe a prises jusqu'ici ne sont pas encore en mesure de substituer le trafficking et la criminalité. Et c'est pour cette raison que les autorités du Niger et des autres pays sont préoccupées, parce que toute l'aide qui est énorme, et je dois reconnaître qu'elle est énorme, mais les derniers citoyens qui vivent au Niger et au Burkina Faso ne les voient pas, ou les voient au minimum. Alors, c'est très difficile de remplacer la criminalité et le trafficking si on ne met pas en place un système, un réseau économique fort, mais ça nécessitera beaucoup de temps. Merci, et je suis à l'écoute. Merci beaucoup, Monsieur le directeur Mistretta. Nous sommes heureux de savoir que le Sahel représente une priorité désormais pour l'Italie, en allant un peu au-delà de ce qui étaient les priorités traditionnelles de ce pays. C'est important de savoir qu'il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place et qui malheureusement n'ont pas été développés suffisamment à cause de l'émergence du COVID-19. Et surtout, le cadre européen sur lequel j'espère que nous allons revenir, parce que la situation qui nous a été décrite par Mme Bagayoko, je crois, et nous allons aussi approfondir le rapport qu'il y a entre la politique méditerranéenne européenne et le Sahel, étant donné la porosité et les interdépendances et les interconnexions qu'il y a désormais entre l'aire du Sahel et ce qui était une fois le pourtour méditerranéen et donc le déplacement des frontières méridionales de l'Europe. Autant de questions qui, j'espère, vont nourrir notre débat en insérant aussi Mme Bagayoko dans sa vision. Là, je suis heureux de passer la parole à M. Bakary Samba, qui est directeur du Timbuktu Institute African Center for Peace Studies. Monsieur Bakary Samba, merci d'être là.
vous vous occupez de paix. Tout le monde souligne que, et Madame Bagayoko l'a souligné tantôt, que la solution sécuritaire ne peut pas, ne doit pas être l'exclusive réponse à donner à la question qui actuellement est en train de bouleverser une des régions les plus importantes du continent africain. De votre point de vue, on aimerait savoir quelle est la perspective de votre institution et quelle est l'analyse et surtout les solutions que vous mettez sur la table aux yeux des décideurs politiques, de l'opinion publique et de la communauté internationale en général. Monsieur Bakary, à vous la parole. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de cette invitation. Je suis vraiment heureux de participer à cette réunion-là. Je remercie mes collègues qui m'ont précédé à la parole. Mais je pense que je vais commencer par souligner d'abord que malheureusement, de toutes les approches qu'il y a eu au Sahel jusqu'à présent, on s'est confronté à un échec cuisant. Pour dire que la communauté internationale a au moins 40 ans de retard par rapport au groupe aujourd'hui qu'on essaie de combattre dans le Sahel. 40 ans pourquoi? Parce que dans les années 70, c'était les années des grandes sécheresses où l'Europe était préoccupée par la crise financière et pétrolière et n'avait pas les moyens d'aider le Sahel. On a laissé à ce moment-là d'autres organisations venir subvenir aux besoins, construire des mosquées, des instituts, développer des idéologies, malheureusement, qui ont affecté le mode de pratique d'islam que nous avions. Et la communauté internationale n'a pas appris les leçons des années 70. Dès les années 90, on a imposé aux pays africains, et dans les années 80, les politiques d'ajustement structurel. Ces politiques d'ajustement structurel ont tué les économies, ont affaibli les États, et d'autres organisations sont venues remplacer les États en creusant des puits, en mettant en place des écoles et en distribuant leur idéologie. Et voilà que 40 ans après, il y a les stratégies Sahel qui pullulent un peu partout. Et je crois que quand on regarde la région aujourd'hui, c'est un constat partagé par tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a nul doute que l'approche purement sécuritaire, l'approche militaire qui a été mise en avant, a été un échec. On ne peut pas combattre une idéologie en la tuant avec une kalachnikov. Une idéologie se tue par l'éducation, par le développement intégré, par la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, quand on regarde, surtout sur les questions de solutions, je veux dire que si l'Italie s'engage aussi fort dans ce Sahel-là, on a été très heureux de rencontrer la vice-ministre des Affaires étrangères à Dakar lors de sa tournée, ce qui a été un réel plaisir pour nous de voir ce pays qui a été tout le temps présent en Afrique s'impliquer davantage au Sahel. Et quand on voit aujourd'hui, je pense que l'Italie ne devrait pas répéter les solutions qui n'ont pas marché. Elle doit venir avec une valeur ajoutée. Sa valeur ajoutée, elle se trouve dans les fondements de sa politique, dans sa politique qui s'est manifestée à travers la construction d'infrastructures, etc., l'hydraulique, la maîtrise de l'eau, l'agriculture. Et je pense que l'approche développementaliste de l'Italie et son implication sur ces questions-là, au-delà de la question migratoire, peut être une nouveauté. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est qu'aujourd'hui, on s'entête encore à aller de plus en plus vers des solutions purement militaires, alors qu'on se rend compte que ces solutions n'ont pas fonctionné. Le but des interventions militaires en Afrique, c'était de diminuer, c'était de stopper les mouvements djihadistes. Au contraire, les mouvements se sont multipliés. On voulait arrêter quelque chose qui est en train de se multiplier, donc on a échoué. Et je crois que l'autre problème qu'il y a, et que je pense que peut-être l'Italie, l'Allemagne, d'autres partenaires européens pourront aider à mieux concevoir, c'est de sortir du conflit, de perception du conflit au Sahel. Aujourd'hui, il y a complètement un décalage entre la conception internationale de la crise sahélienne et les perceptions locales. Les perceptions locales, on les a pas beaucoup prises en compte. On a imposé au terrain sahélien des politiques qui sont conçues d'ailleurs. Et aujourd'hui, il est temps, plus que temps, dans cette approche holistique que nous pouvons avoir, d'impliquer les Africains dans la réflexion stratégique sur les choses qui intéressent leur continent et sur les choses qui pourraient aider à sortir de la crise dans le Sahel. Et aujourd'hui aussi, le principal problème que nous voyons, c'est qu'on s'entête à aller vers du tout militaire en oubliant l'investissement dans le développement. Si on continue dans cette lancée-là, on verra de plus en plus les États s'affaiblir, ne plus assurer l'éducation, la santé, le social,
et on verra que ces groupes-là vont se substituer à l'État. Il s'y ajoute qu'on n'a pas la même lecture de la crise sahélienne, comme l'a souligné tout à l'heure ma collègue Niagale, et aujourd'hui, il faudrait véritablement une approche beaucoup plus différenciée. Et je crois que sur ce point précis, l'Italie, au regard de son expérience et de son apport déjà dans le fonds fiduciaire, on sait qu'elle fait partie des premiers contributeurs, je crois pourrait apporter une touche nouvelle. Elle a suggéré la question migratoire pendant que d'autres pays n'ont pas pu, parce qu'à partir des années 86, c'est devenu la principale destination de la migration ouest africaine avec les Guinéens, les Sénégalais, etc. Mais au-delà de la question migratoire, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où les solutions pensées et conçues d'en haut, imposées sur le terrain, ne fonctionnent plus. Il faut aller vers une logique de co-construction. Il faut co-construire, construire ensemble ces stratégies-là, ne pas avoir de la condescendance en disant que nous connaissons l'Afrique, c'est notre pré carré, c'est notre terre de prédilection, et écouter le terrain africain, écouter les experts africains, afin que la solution qu'on doit trouver ensemble pour le Sahel soit une solution issue d'un dialogue constructif entre le Nord et le Sud. Que ce ne soit pas le Nord qui impose ses paradigmes, mais que le Nord donne la chance aux stratégies endogènes, aux stratégies propres aux Africains, à leurs mécanismes de régulation des conflits, en les intégrant dans ces stratégies globales-là. Et je pense que c'est à partir de cette co-construction, premièrement, qu'on pourra sortir du conflit, de perception du conflit. Deuxièmement, qu'on rompe avec le tout militaire qui montre son échec partout. Au début, on avait un seul épicentre, c'était le nord du Mali. On a combattu les groupes au nord du Mali. Maintenant, il y a le centre du Mali qui est devenu un épicentre et le débordement sur le terrain burkinabé. En plus de la complexification de la situation par rapport à tous ces groupes qui sont nés et avec les conflits intercommunautaires. Donc, il s'impose comme jamais une approche inclusive, une approche holistique, mettant les Africains au cœur de la stratégie de réflexion sur le Sahel, ne pas venir avec des schémas préconçus, car l'erreur que font nos amis du Nord, c'est d'imposer au terrain africain des paradigmes largement dépassés. On n'écoute pas les experts africains, on pense pour eux. Et ceci, je pense que l'entrée en jeu de l'Italie, de l'Allemagne et d'autres pourront aider véritablement à sortir de cela qui a mené à cette situation d'incompréhension. Imaginez au Sahel aujourd'hui, il n'y a pas moins de 19 stratégies Sahel pour un problème qui n'est pas encore réglé. Cela veut dire qu'au moment où les groupes terroristes sont en train de coordonner, d'être dans une forme de coordination, la communauté internationale elle est en train de se diviser et en train de multiplier les stratégies sur un seul problème qui ne l'aurait pas réglé. Et je crois que si l'Italie devrait avoir, je pense, une valeur ajoutée, c'est dans l'écoute du terrain. C'est l'approche holistique, c'est la prise en compte des stratégies endogènes, c'est la rupture avec les anciennes méthodes qui consistaient à croire qu'il y a une connaissance intégrée de l'Afrique et que les experts africains n'avaient pas des choses à dire sur leur continent. Bref, de libérer ces paradigmes-là et d'aller dans une logique de co-construction. Parce qu'in fine, nous avons le même destin. Aujourd'hui, nous sommes devenus la communauté internationale des vulnérables. On est aussi bien vulnérables à Tombouctou, à Gao et à Maïdougouri qu'à Rome, Paris ou Berlin. C'est-à-dire que ce qui se passe sur le continent, si on ne prend pas la juste mesure de cela, l'Europe en recevra sa part de deux manières. Soit par les vagues d'immigration qu'on ne pourra jamais arrêter, parce que les flux migratoires vont suivre les flux économiques, ou bien par le terrorisme qui malheureusement est en train de se mondialiser. Donc, a sonné aujourd'hui l'heure d'une co-construction dans le cadre d'une approche holistique qui n'exclut personne, mais qui associe tout le monde et qui valorise aussi les stratégies africaines endogènes en matière de règlement de conflits et des mécanismes de médiation. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions infiniment, M. Balissam. Votre exposé nous a mis devant les responsabilités d'un échec. Échec des méthodes, échec des acteurs dont il faut tenir compte. Vous parlez d'une approche qui devrait être une approche intégrée avec l'éducation, le développement intégré, la bonne gouvernance. Et de plus en plus, je crois, pendant ce débat, pendant ce dialogue, nous nous faisons l'idée qu'effectivement,
la première idée qu'avait exprimée Madame Bagayogo, à savoir la complexité des acteurs et leurs objectifs, et leurs cibles aussi d'ailleurs, et le fait de ne pas réduire la réponse à une seule réponse, la réponse militaire. Je crois qu'il y a là quelque chose qui reste sur la table de notre discussion. Et je vous remercie. Nous reviendrons sur certains des thèmes que vous avez évoqués. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte où d'autres acteurs se sont substitués à l'État dans les questions d'érogation de réponses sociales, dans les questions d'éducation pour l'école, d'occupation du territoire. Quelles sont les réponses, à votre avis, qui peuvent être fournies? Nous reviendrons là-dessus avec les questions des uns et des autres. Je passe la parole maintenant, avec plaisir, à M. Camilo Casola, qui est chercheur associé Afrique à l'Institut de politique internationale de Milan. Monsieur Camilo Casola, vous avez la parole. 7 minutes, vous aussi. Vous pouvez réagir, vous devez réagir par rapport à ce que vous avez entendu, ce que soulignait tantôt M. Bakary Samba sur les échecs. L'implication italienne a été soulignée par M. Mistretta et surtout la complexité de la situation sur le terrain. Il y a eu l'introduction brillante de Mme Bagayogo. Monsieur Casola, à vous la parole. Merci. Merci, professeur Touadi. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de Italy Africa Business Week pour avoir organisé ce webinaire, pour m'avoir demandé de participer. Je suis très content de ça. Je suis franchement honoré de pouvoir discuter avec des collègues si distingués. Donc, j'apprécie beaucoup le travail de recherche sur le thème de la sécurité au Sahel. Je le connais. Donc, vraiment, je suis honoré de ça. Et ainsi, avec le directeur Mistretta, l'ambassadeur Bento, etc. Donc, merci pour cette occasion. Et je voudrais tout d'abord dire que je partage presque tout ce qu'on a dit jusqu'à ce moment. Je suis vraiment sur les mêmes lignes d'interprétation de la situation, de la complexité au Sahel, mais aussi de ce qu'on a dit, le problème qu'on a vu au Sahel jusque-là, le problème lié aux interventions internationales. Aux interventions internationales, ce qui n'a pas marché jusqu'à ce moment-là. Par rapport à pour ce qui concerne la présence militaire italienne au Sahel, le directeur Mistretta a un peu anticipé voilà, ce que j'avais, ce que je voulais dire en fait. Il y a quelques jours, le Sénat du Parlement a approuvé le décret qui autorise le renouvellement des missions italiennes dans le monde et en particulier la participation italienne à la Task Force Takuba dans le Sahel central, en particulier dans la région du Liptako-Gourma qui est frontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger dont on est en train de parler aujourd'hui. L'Italie, comme on le sait, devrait participer à la force Takuba avec 200 unités militaires, plus ou moins, 20 moyens terrestres et 8 moyens aériens pour un montant de 16 millions d'euros à peu près. En effet, le renforcement de la présence militaire italienne au Sahel qu'on voit par rapport justement à la participation à la Task Force Takuba s'inscrit de facto dans une logique de rapprochement progressif et stratégique de l'Italie aux États sahéliens dont on a parlé avant. Le Sahel a été, on l'a dit, le Sahel a été traditionnellement une aire régionale hors des réseaux des relations politiques, diplomatiques et aussi sécuritaire, bien évidemment, de l'Italie, entre l'Italie et l'Afrique subsaharienne. Mais depuis quelques années, la donne a commencé à un petit peu à changer, du moins sous un aspect qu'on pourrait dire politico-diplomatique et sécuritaire, en raison de l'intérêt stratégique, justement, à affirmer une présence
forte, grandissante dans une région qui a une importance capitale pour ce qui concerne, comme on disait, le transit des flux migratoires en direction de la Méditerranée. Sur ce point, Madame Bagayoko disait justement que la majorité des flux, c'est régionaux, et c'est vrai. Et donc là, c'est aussi bien à relever comment cette dimension de politique étrangère établir les volets fondamentaux de la politique étrangère au Sahel autour de la dimension migratoire a été un peu, comment dire, une politique un peu aveugle, un peu a eu une dimension asphyxiée, parce que ni en fait la complexité dont on a parlé jusqu'à ce moment-là. Le rapprochement de l'Italie avec les États sahéliens a débuté en particulier en 2017 avec l'ouverture des sièges diplomatiques au Niger, après en Guinée, après au Burkina Faso en 2019, et après avec la signature des accords de coopération militaire en matière de défense avec le Niger, le Burkina Faso, le Tchad. Ces accords sont aujourd'hui aussi les bases juridiques qui légitiment sur le plan formel le déploiement militaire italien dans le cadre de la force Takuba. Dans ce contexte, cette dimension politique a contribué aussi au renforcement des relations avec des régimes des États au Sahel. Et finalement, en 2018, on a vu le lancement d'une mission bilatérale de soutien à la République du Niger qui visait à favoriser une amélioration de capacité de contrôle des territoires, des frontières, de lutte contre le trafic illicite et d'entraînement des forces spéciales du Niger dans la région d'Agadez. Donc, les quatre du rapprochement de l'Italie à la région sahélienne, c'était un peu cela jusqu'à la participation de l'Italie à la force Takuba qui a été lancée par le président français Macron au cours du sommet de Pau en janvier 2020. Donc, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le renforcement progressif de l'attention de la part des décideurs italiens pour le Sahel est allé de pair avec le processus d'externalisation de la frontière européenne de la région dont on parle très souvent. On a assisté à cette transformation depuis des années. Ce qu'on appelle la Fortress Europe a établi justement au Sahel ses frontières extérieures afin d'endiguer le phénomène migratoire à travers des investissements massifs qui auraient dû, sur le plan théorique, contribuer au développement des régions sahéliennes, mais qui ont été pour la plupart très souvent utilisés pour l'enforcement de politiques répressives ou bien dissuasives dans la région, qui ont déterminé pour la plupart la perte de moyens de vie pour des gens qui vivaient sur la migration. Là-dessus, je crois qu'il faut distinguer un peu ce qui est le trafficking par des prestations de services, le smuggling, donc le transport, des services de transport des migrants qu'on faisait au Niger à travers le désert, en fait, et qui donnait à ces gens des moyens de vie. Ils se sont trouvés sans des ressources de vie, et ça a été un vrai problème sur le point social, qui contribue bien évidemment à la définition de cette complexité dont on a parlé jusqu'à ce moment-là. J'ai pas trop de temps pour aller sur ce point en profondeur. Je vais tout juste relever des points qui, à mon avis, sont essentiels, et c'est que
en premier lieu la dimension politique ou bien la politisation des mesures de contre-terrorisme fait que ces interventions, comme peut-être aussi la Task Force Takuba qu'on va lancer au Sahel, se développent aussi dans une certaine façon, ou bien le risque que ces mesures se développent aussi comme des instruments de consolidation de certains régimes qui sont internement faibles, qui sont toujours moins légitimes aux yeux de leur propre population, ou au renforcement aussi des forces de sécurité qu'on contribue à former, à entraîner, et qui sont dans le même moment responsables d'abus et d'exactions à l'égard des civils, des populations et des populations civiles. Et cette dimension peut avoir aussi des conséquences bien dangereuses pour la perception de légitimité de la présence internationale dans cette région-là. Et finalement, je crois que à côté de la dimension militaire, que évidemment n'est pas suffisant à donner une solution à l'instabilité sécuritaire dans la région sahélienne, et aussi à côté des interventions pour le développement des régions sahéliennes, ce qui est vraiment important, c'est la gouvernance. Je crois que le centre du problème, c'est la gouvernance, le manque d'une gouvernance effective dans des régions sahéliennes, surtout dans des régions périphériques où les États ne sont pas en mesure de délivrer des services sociaux, de fournir des biens essentiels ou de résoudre aussi des différents communautaires. Et là, c'est sur ce vide politique que des acteurs non étatiques peuvent s'insérer et se substituer aux États, avec des conséquences aussi sur la légitimité des institutions politiques des États. Et donc, je crois que la contribution des acteurs extérieurs dans une logique de co-construction, comme le disait M. Samba, doit surtout viser la dimension de la gouvernance de la restauration ou de la construction d'une différente gouvernance dans les territoires de la région sahélienne dont on est en train de parler aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là et je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Camilo Casola. Votre riche exposé a mis d'autres questions sur le feu de notre discussion. D'ailleurs, vos interventions se recoupent beaucoup quand vous parlez de légitimité, par exemple. C'est une question qui a été évoquée par M. Battari. Quand vous parlez, par exemple, de la bonne gouvernance, c'est un peu ce que M. Battari... le développement intégré et la bonne gouvernance, justement, lui-même soulignait cette question. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a matière à discussion entre vous. J'aimerais qu'il y ait un moment après l'intervention de M. Mahamadou Savadogo, qu'il y ait un dialogue entre les orateurs, parce que vraiment, vous avez mis sur table des analyses assez inédites et assez intéressantes qui méritent d'être approfondies. Mais je passe d'abord la parole à M. Mahamadou Savadogo, qui est chercheur sur les questions d'extrémisme violent, Institute of Security Studies. Je vous passe la parole. Vous pouvez réagir à ce que vous avez entendu. Vous pouvez livrer vos analyses et votre perspective. Vous avez la parole, 6-7 minutes, vous aussi. OK. Merci beaucoup pour la parole et merci aussi pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de participer à ce webinaire. Et
Je pense que déjà mes prédécesseurs ont planté le décor et ils ont évoqué un certain nombre de sujets. J'aimerais juste approfondir certains faits qui concernent la stratégie mise en place par ces groupes terroristes et aussi la stratégie de réponse par les États. Et je pense que en matière de stratégie, comme le disait le docteur Sambé, les groupes terroristes ont 40 ans, sinon 50 ans d'avance sur les États et sur toute la coopération internationale. Et le fait que cette guerre, moi je dirais que c'est une guerre intelligente, c'est une guerre de stratégie, et est en train de prendre de l'ampleur, elle est tout simplement liée à un certain nombre d'acteurs qui entrent en jeu au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on trouve des solutions. Et ces acteurs, c'est quoi? C'est les groupes terroristes ont entrepris de prendre avec eux, de rentrer en acquaintance avec les groupes criminels, comme l'avait dit déjà ma collègue Niagale, des groupes criminels, des groupes de trafiquants, des orpailleurs, et aussi et surtout, et les relations qu'ils entretiennent avec les populations, c'est de communautariser ce combat-là. Et lorsqu'on parle de communautarisation, ça veut dire qu'ils veulent intégrer dans leur combat et les populations, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte les problèmes des populations, si vous voulez, mieux que certains États. Voilà pourquoi Camilo qui a intervenu tout en parlant que le problème d'Israël, le problème, c'est une question de bonne gouvernance, c'est une question de justice, c'est une question de l'État, que l'État qui en général est en train de disparaître. Et donc, au fur et à mesure que nous avançons dans la guerre, au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons que la stratégie de ce groupe-là, c'est d'intégrer les communautés elles-mêmes dans la bagarre, dans la bataille, c'est-à-dire en les opposant entre elles. Et malheureusement, les États, pour trouver une réponse à cela, intègrent d'autres acteurs qui complexifient, comme l'a dit Niagale, la lutte. Et ces acteurs, c'est quoi? C'est le groupe d'autodéfense, c'est les volontaires pour la défense de la patrie qui, malheureusement, ont blasé pour commettre des exactions. Ce qui fait que la lutte ne fait que s'aménuiser davantage. Et l'autre stratégie utilisée par ces groupes terroristes-là, c'est l'adaptabilité. Le fait que ces groupes s'adaptent rapidement aux réponses apportées par les États, le fait aussi que ces groupes n'ont pas de frontières. Et quand vous suivez l'évolution de ces groupes, depuis le Mali et tous les États sahéliens ont observé, si vous voulez, le Mali un peu se débattre contre ces groupes. Et de nos jours, on voit que ces groupes ont atteint le Burkina et une partie de leur objectif présentement, c'est effectivement d'atteindre les pays côtiers. Et ces pays côtiers-là, dont le dernier bouchon est effectivement le Burkina, est un avantage pour eux, ça les permet, c'est une source d'approvisionnement pour eux. Et à partir de ces pays côtiers d'ailleurs, l'Europe sera profondément touchée parce qu'à partir de ces pays côtiers, ils pourront rapidement atteindre aussi les côtes européennes et acheminer leurs produits narcos et les produits de trafic de drogue, de cigarettes. Ce qui veut dire que la lutte ne doit pas se limiter au Sahel. La lutte et les investissements doivent s'étendre à tous les autres pays connexes ou proches du Sahel, c'est-à-dire les pays côtiers. Et nous savons tous que 2020 est une année charnière pour l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et à mon avis, l'intervention des pays occidentaux sera la bienvenue si elles arrivent à stabiliser ces pays-là et si elles arrivent à remettre en rail les États qui sont entièrement en train de disparaître. Et pour mieux comprendre aussi cette lutte, vous devez savoir que, comme ce qui se passe au Mali, mais ça se passe aussi en silence dans les zones rurales. Et quand on prend le cas du Burkina, nous avons affaire dans certaines zones à des insurrections armées locales, comme exactement ce qui se passe au Mali. Que tous les médias, tous les caméras sont braquées sur Bamako, mais il y a ces mêmes mouvements en campagne, de plus en plus en campagne. Et donc, on se demande,
si ces mêmes mouvements continuent, en réalité, nous sommes en train de perdre ce qu'on a de plus important, c'est-à-dire la stabilité, c'est-à-dire la stabilité politique. Donc, il y a des zones où vous allez avoir des institutions armées locales qui sont suscitées par ces groupes-là, qui font partie d'une des stratégies de ces groupes-là, qui est de soulever les populations rurales contre le pouvoir central. Et donc, je pense que la réponse qu'on devrait apporter devrait combiner non seulement la réponse armée, mais aussi la réponse stratégique qui consiste à développer certaines zones et aussi à mettre la pression sur ces gouvernements-là, de telle sorte que l'argent qui sera injecté dans le développement de ces localités-là, elle puisse vraiment servir au développement de ces localités et non à des personnes qui sont à des individus. Et donc, si nous continuons aussi à investir, c'est-à-dire si les Occidentaux continuent à investir sans demander des comptes, sans contrôler, apparemment, ces investissements-là reviennent de façon détournée à ces groupes terroristes qui se retrouvent être plutôt les bénéficiaires parce que il n'y a pas de réponse adaptée à cette crise. Donc, pour conclure à ce que je disais, pour conclure rapidement, je dirais que les stratégies mises en place par les groupes terroristes évoluent et s'adaptent très rapidement en fonction de la réponse mise en place aussi par la communauté internationale et de la réponse mise en place par les États. Donc, pour moi, nous avons affaire à une lutte intelligente, une lutte de stratégie, et il faudra mettre en place des stratégies qui tiennent en compte, qui mettent au centre l'intérêt supérieur des populations, l'intérêt supérieur des communautés qui souffrent plus de cette crise. Merci. C'est nous qui vous remercions, M. Mahamudu Salvadoro, chercheur sur les questions d'extrémisme violent, Institute of Security Studies. Merci beaucoup à vous tous pour votre contribution. Nous avons encore du temps. Je crois que certaines questions que vous avez soulevées méritent d'être approfondies. Je vais poser un certain nombre de questions qui sont restées, à mon avis, sur l'horizon sans être vraiment approfondies. Mais je vous laisse aussi la liberté d'intervenir pour poser les questions aux autres orateurs parce qu'il y a certaines choses qui se recoupent, comme je l'ai dit tantôt, mais en même temps, il y a des choses, des analyses qui peuvent diverger. Et donc, par exemple, je pose la question à tous les orateurs qui sont intervenus. La grande question du pourtour méditerranéen du Maghreb n'a pas été, je crois, approfondie. Les acteurs nord-africains du Sahel qui ont eu et qui ont encore aujourd'hui leur stratégie, qui ne sont pas des stratégies unitaires, nous savons bien les jeux divergents entre le Maroc et l'Algérie, par exemple. Quel est, à votre avis, le poids de ces acteurs nord-africains et comment ils peuvent participer ensemble avec l'Europe à une solution intégrée de ce que vit le Sahel actuellement? Une deuxième question que je mets sur la table de notre discussion, c'est la question récurrente dans vos interventions d'une certaine faillite de l'État, d'une faillite de l'État qui n'arrive plus à développer auprès des populations certaines de ses fonctions régaliennes et donc leur substitution par ces groupes armés. Quelqu'un d'entre vous, je crois que M. Bakary, a évoqué le plan d'ajustement structurel et donc la question économique, la question des besoins sociaux de la population. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait, par exemple, revenir par ces questions qui semblent si simples, mais comme on dit en anglais, les besoins fondamentaux sont aussi des droits fondamentaux.
Et troisième question que j'aimerais mettre sur la table de discussion, le rôle de l'Union africaine. Comme vous savez, depuis les années 90, avec Boutros Ghali et son agenda pour la paix, la question de la paix et de la stabilité est au cœur des discussions de l'Union africaine. Mais la question du Sahel, comme la question de la Corne de l'Afrique et d'autres questions conflictuelles en Afrique, montrent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et l'Union africaine n'a pas les moyens de ses ambitions. Et on voit par exemple comment ça traîne pour mettre en place la stratégie du G5 Sahel. L'Union africaine semble quelque part en retrait dans la construction de cet édifice afro-africain de réponse à la question. Donc, plusieurs questions, le rôle des pays maghrébins, quel est, selon vous, le rôle de la politique et des questions essentielles liées à la survie des populations, populations qui sont menacées, entre autres, par une crise alimentaire aiguë, accentuée par le COVID, et surtout l'Union africaine, dans une sous-région comme celle de la CDAO, qui a été soulignée par tout le monde comme une sous-région qui a fait des avancées considérables pour l'intégration, pour la libre circulation des biens, et ce, plutôt pour les. Alors, tout ça tranche avec la situation que vous avez décrite sur le terrain. Je donnerai la parole avec l'ambassadeur Mistreta qui va nous laisser. Et par la suite, on va reprendre nos interventions à travers la table de vue jusqu'à M. Mahamoud. Merci. Effectivement, je devrais quitter à 19h40. Merci de me donner la parole. Je serai très bref. Moi, personnellement, je n'ai pas la compétence sur le pays maghrébin, même si je connais très bien que l'Algérie joue ou a joué un rôle très, très important au Mali. Mais c'est aussi vrai que l'accord d'Alger n'est pas observé depuis la décision de l'EFR. Et il y a Canva, alors peut-être que la colonne n'est pas tellement efficace. C'est-à-dire qu'il faudrait, comme certaines fois, dans les cas, il faudrait peut-être le repenser. Mais je ne suis pas à mesure de le dire, parce que ça, c'est une question afro-africaine, à mon avis. Et il faudrait surtout que les protagonistes s'entendent sur le rôle de l'accord d'Alger, ou bien s'il faut le réviser. Sur les organisations africaines, c'est-à-dire l'African Union, c'est vrai, c'est-à-dire trop fréquemment l'African Union fait des déclarations ou présente ses positions, mais après c'est très difficile d'assurer l'efficacité et l'implémentation de ce que l'African Union dit. Mais à mon avis, c'est plutôt ECOWAS, la CEDEAO, qui joue un rôle important dans les questions sahéliennes. Pas seulement politiquement, mais aussi sur le profil financier. Vous savez qu'il y a un engagement de ECOWAS à financer des projets, et surtout sécuritaires, à l'avantage des G5 Sahel. Je crois aussi que les G5 Sahel ont fait un effort très particulier et très important de se réunir. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement facile dans le contexte sahélien de réunir les forces, de collaborer et d'avoir une synergie. Et tout cela, je crois que aussi, je continue à souligner le rôle de l'Europe, parce que les défis sont très importants, sont très grands, et un pays seul ne peut pas affronter ces défis. Et la coalition pour le Sahel, dans laquelle il y a un pilier coopération, un pilier ou des piliers capacity building et un pilier militaire pourrait être une bonne réponse. C'est une architecture très difficile. Il faut dire que, comme j'avais dit auparavant, la complexité ne facilite pas les choses. Est plutôt un élément de complication. Mais j'ai de la confiance que ce mécanisme pourrait être une nouvelle attention de l'Europe à l'égard du problème sahélien.
Et je m'arrêterai ici. Peut-être que d'autres interlocuteurs sont plus compétents que moi sur les questions vraiment du rôle des Maghrébins, des pays du Maghreb sur les Sahel. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je passe tout de suite la parole, 2-3 minutes pour les orateurs, pour leur réaction, à commencer par madame Niagale Bagayoko. Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas non plus spécialiste du rôle des acteurs maghrébins, mais comme l'a souligné monsieur le directeur, en effet, l'Algérie joue un rôle absolument clé depuis le début de la crise dans le nord du Mali. Non pas seulement à travers la négociation de l'accord d'Alger, mais plus largement parce que elle est au centre d'un dispositif dont on parle peu, qui est le processus de Nouakchott, qui justement dépend de l'Union africaine. Initialement, l'Algérie avait cherché à mettre en place un dispositif, notamment en matière de renseignement avec une unité de fusion et de liaison, et également chercher à susciter une coopération sous-régionale. Ça, c'était avant la création du G5 Sahel. Mais malheureusement, ou heureusement, en tout cas, ces efforts n'ont pas été couronnés de succès. Il y a eu une tentative du côté de l'Union africaine de revigorer ce processus de Nouakchott qui, à la différence du G5 Sahel, est beaucoup plus large. Il implique 11 pays de la région, hein, y compris des pays côtiers et des pays méditerranéens. L'autre acteur maghrébin extrêmement important, c'est bien entendu le Maroc. Et je pense quand même que la faible visibilité aussi bien de l'Algérie que du Maroc dans la région est imputable aussi à ce fameux conflit du Sahara occidental, dont il ne faut pas oublier que certains acteurs, membres des groupes djihadistes, notamment le chef de la branche saharienne de l'État islamique, dite EIGS, sont issus du Sahara occidental. Je terminerai sur ce point en disant que le Maroc, actuellement, dans la crise politique malienne, a joué un rôle de médiation important, notamment parce qu'on sait que le roi Mohamed VI tient beaucoup à avoir une diplomatie extrêmement active en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Il y avait eu une candidature du Maroc pour être membre de la CDEAO qui n'a pour l'instant pas abouti. Mais là, actuellement, l'ambassadeur du Maroc, parce qu'il est doyen notamment du corps diplomatique au Mali, mais également parce qu'il y a un intérêt de son pays, joue un rôle important. Pour ce qui est de la faillite de l'État, alors nous sommes plus ou moins en effet en accord sur ce point, mais je ne suis pas sûre qu'il faille parler de faillite au sens universitaire du terme, pardon hein, de redevenir théorique, mais est-ce que ces États sont véritablement des failed states? Est-ce qu'on peut comparer ce qu'est le Mali aujourd'hui à ce qu'est, je ne sais pas, par exemple la République centrafricaine? Je ne pense pas qu'on en soit vraiment là, tout simplement parce que c'est un pays qui a de fortes ressources en termes de cadre. Mais le problème est en effet celui de la gouvernance. Mais quand on parle de gouvernance, on y met un peu tout et n'importe quoi. Il faut faire attention à ce que l'idée de gouvernance ne devienne pas un concept pour tout. Je pense qu'il faut être extrêmement précis. Si je parle de gouvernance, par exemple, moi, il me semble que quand on dit que le tout militaire n'est pas la solution, moi, je prends un peu mes distances avec cette idée. C'est-à-dire que, bien sûr, le tout militaire n'est pas la solution, mais c'est surtout, à mon avis, la question de l'usage qu'on fait de l'instrument militaire. Et c'est la façon dont on le conçoit. Parce que
les populations ont besoin de la protection des forces armées, des militaires, des policiers. C'est un élément absolument central. C'est pour ça que je, dans la conversation par écrit, je me suis autorisée à dire qu'à mon avis, il ne faut pas opposer les deux. Et on voit très bien qu'en termes de gouvernance, aujourd'hui, se limiter à renforcer les capacités opérationnelles, les capacités de combat des forces armées, ça a deux conséquences. D'abord, de mettre de côté la gouvernance, justement, de ces forces de défense, qui a pour détournement massif des budgets de la défense, qu'on constate au Niger notamment, hein, grâce à l'inspection des forces armées, on s'est rendu compte de l'ampleur du scandale, mais le même scandale a lieu au Mali. Il y avait une commission d'enquête spéciale qui avait justement été lancée par Soumaïla Cissé, qui n'a pas abouti, mais il y a ce problème aussi. Et il ne faut pas oublier que le ministre, l'ancien ministre de la Défense, Jean-Claude Boudard, a été incarcéré directement pour détournement. Donc tout ça, ça fait partie aussi du renforcement des capacités militaires. Pour terminer, le dernier élément qui fait partie du renforcement des capacités militaires, c'est évidemment la question des droits de l'homme. J'ai déjà évoqué les exactions, etc. Alors, on peut dire, bon, alors, voilà encore une approche droits de l'hommiste, on ne comprend pas quelle est l'importance du combat. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la FORSAT au Mali. Les pays occidentaux doivent être aussi, à mon avis, extrêmement prudents dans l'usage qui est fait des forces qui sont formées. Car aujourd'hui, la FORSAT, c'est-à-dire la force spéciale antiterroriste, a tiré sur des manifestants à main nue en mandat pour lequel. Donc, pour moi, toutes ces questions de renforcement militaire est essentiel, mais il doit être pensé en fonction de la protection des institutions de l'État et de la protection des populations. Ça me semble essentiel. Voilà, pardon d'avoir été un peu longue. Merci beaucoup, Madame Bagayoko. Le dialogue est franc et ouvert. Ça me fait énormément plaisir parce que c'est très facile d'aller sur des chemins et des sentiers battus. Là, on se rend compte qu'il faut un peu spécifier et entrer dans le détail. Donc, je passe la parole à M. Patrice Samba. J'ai été très impressionné par ce que vous avez raconté. C'est un peu dans certaines régions du sud de l'Italie où des groupes criminels tentent de se substituer à l'État et d'occuper le territoire dans tous les sens. Et donc, c'est à vous que je pose la question. Le Mali est aux prises maintenant avec une crise politique aiguë, on en parlait au début. C'est quoi la gouvernance aujourd'hui dans nos pays après l'euphorie des conférences nationales, l'émergence de groupes sociaux, de la société civile, mais tout ça n'a pas créé des institutions fortes, suffisamment fortes, je crois, pour donner à nos pays cette stabilité et cette possibilité de donner aux populations ce dont ils ont besoin pour leur survie. Monsieur Battari. Je voudrais rappeler à tout le monde de rester dans les 3 minutes pour pouvoir permettre les questions du public, les interventions et surtout aux speakers de pouvoir aussi participer au débat. Merci. Merci beaucoup. Sur la question militaire, je ne suis pas en train de nier l'apport des solutions militaires. Elles ne sont pas suffisantes. Les États-Unis sont restés 15 ans en Afghanistan, il y a encore des talibans. La France est venue au nord du Mali pour stopper le djihadisme. Les groupes sont venus. Ça ne problème tout seul. Je suis en train de le nier en faute de la sécurité, mais il faut d'autres choses. La preuve, les populations ont besoin d'être sécurisées. Mais aujourd'hui, les populations militaires, les populations dans la région sont en train de se dire que, écoute, nous sommes en train de subir une présence militaire draconienne autour de nous, mais nous vivons en insécurité. Donc, il y a un paradoxe. Et sur la question des pays du Maghreb, aujourd'hui, on voit que l'Algérie a un pied stratégique dans ce conflit. On le voit avec les accords d'Alger. Le Maroc essaie de faire son entrée par le biais de l'influence, la formation des imams, etc. Donc, il n'a pas ce pied stratégique, il part par le soft power. Et le Maroc est en train de s'ériger en tant que ce que j'appelle un bridging power entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne en étant la zone tampon.
Et aujourd'hui, il tire sa diplomatie de par ce positionnement. Les deux seraient complémentaires, mais bon, on peut encore attendre que les pays s'entendent sur cette stratégie-là. Et d'ailleurs, ça freine l'ardeur de l'Union africaine. Parlons maintenant de la faillite des États. Oui, il y a une malgouvernance chronique. On n'est pas dans les États des failed states, comme on peut dire, quoi, où il n'y a pas d'État, etc. Mais il y a une malgouvernance qu'il faudra résoudre aussi. Maintenant, je voulais tout simplement rappeler quelque chose. Quand je parle de l'Italie, en disant que son arrivée dans cet espace sahélien-là doit être une arrivée qui apporte une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas venir reprendre les solutions qui n'ont pas marché. Son arrivée, de la même manière que l'arrivée de l'Allemagne et d'autres, doivent aider à dépasser ce qui a été fait jusqu'à présent et qui s'est soldé par un échec. Donc aujourd'hui, il faut véritablement qu'on s'appuie aussi bien sur le développement que sur la sécurité. Le nexus, je pense que Yagal est d'accord avec moi, il faut les deux. Mais véritablement, je crois qu'aujourd'hui, la question sécuritaire ne se limite pas seulement à des interventions militaires qui n'ont pas produit de résultats escomptés et qui parfois complexifient véritablement la lutte contre le terrorisme avec la question des droits humains, etc. Il faut une véritable approche intégrée. Mais je le répète encore, le plus important pour moi, c'est que les process, les approches conçues d'ailleurs et imposées au terrain africain, il faut écouter ce terrain-là, l'interroger. Il a des ressources, il a des stratégies, il y a des mécanismes. Il est temps de les valoriser au lieu d'imposer des paradigmes sur l'Afrique qui datent de 40 ans dans les grandes universités européennes, alors que la population africaine, les sociétés ont évolué aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bakary. Monsieur Cazola, c'est quoi la valeur ajoutée de l'Italie dans ce contexte que nous avons décrit et que nous savons être très complexe? C'est difficile à dire à ce moment, jusqu'à ce moment, parce que ce qu'on a fait comme Italie au Sahel jusque-là, c'était de l'entraînement des troupes, des forces de sécurité, donc pas différemment de ce qu'avait été fait par d'autres acteurs, y compris la mission de training de l'Union européenne, par exemple. Donc, jusqu'à ce moment-là, la valeur ajoutée de l'Italie, ce n'était pas quelque chose de différent de ce qu'on a vu par rapport aux autres États. Ce que pourrait être une différente valeur ajoutée portée par l'Italie pourrait, par exemple, être axée sur la dimension. Je suis d'accord sur le fait que la dimension militaire est nécessaire, mais il faut peut-être bouger l'axe de la dimension militaire sur la protection sur la sécurité humaine, sur la protection des civils par rapport aux exactions, aux violences, pas seulement celles des groupes djihadistes ou des groupes armés terroristes, comme on les appelle en France, mais de tous les acteurs non étatiques, mais aussi des violences, des abus de la part de certains acteurs étatiques, comme on a dit avant. Donc, peut-être que la valeur ajoutée de l'Italie, ça pourrait se développer dans cette direction-là porter une différente contribution à la sécurité humaine, à la dimension de la sécurité humaine. Et très rapidement, sur le point des programmes de la faillite de l'État, moi, je suis toujours très hésitant à utiliser cette catégorisation-là qui est la même qu'on a dans le discours des institutions financières internationales, parce qu'on peut, par exemple, le souligner, le Mali aux années 80-90, c'était le bon élève pour la communauté internationale. C'était un modèle de gouvernance. Après, on l'a vu, il y avait déjà plusieurs éléments de faiblesse qui laissaient
voir des développements différents pour le pays. Donc là aussi, je crois qu'il faut être très, très attentif à utiliser ces catégorisations-là. Merci beaucoup, Monsieur Cazola. Monsieur Saradogo, très rapidement avant de passer aux questions du public. Merci pour la parole. Je reviens un peu sur la faillite de l'État. Et on a juste observé un phénomène. Et les zones qui sont en proie à ces groupes terroristes, les zones qui ont basculé dans l'extrémisme violent, correspondent exactement aux zones où l'État n'existe pas, aux zones où l'État est absent. Et mieux, on voit de plus en plus que cette absence de l'État-là est remplacée par ces groupes terroristes ou par un tout autre phénomène. Je prends l'exemple du cas du Burkina. Et l'absence de l'État dans certaines zones a donné naissance à des groupes d'autodéfense, qu'on appelle chez nous les Korwego. Et l'absence de l'État a donné au nord l'apparition de ces groupes terroristes aussi. Et donc, pour moi, c'est essentiel dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre l'extrémisme violent, que l'État revienne, que l'État soit présent. Et pour moi, l'une des causes de l'avancée rapide de ces groupes terroristes-là, c'est effectivement la faillite de l'État. Et le fait de remplacer l'État par d'autres phénomènes ne fait que aggraver la situation, ne fait que complexifier les acteurs. Plus les acteurs sont nombreux, plus la situation s'aggrave. Et ensuite, pour ce qui concerne l'Union européenne, la CEDEAO et même le G5, on voit clairement qu'au départ, pour ce qui concerne l'Union européenne, et plutôt l'Union africaine, l'Union africaine est restée absente. Donc, et jusqu'à présent, on ne voit que le G5 qui se débat. Et on observe désormais que ce G5-là est même presque dépassé parce que ces groupes terroristes ont imprimé un rythme qui veut que désormais ce G5-là s'ouvre à d'autres pays, comme les pays côtiers. Donc, ce G5 d'ailleurs peut-être ne pourra plus s'appeler G5 ou bien G5 élargi peut-être. Et nous voyons que de plus en plus, effectivement, l'ECOWAS ou bien la CEDEAO commence à s'intéresser à cette question de l'extrémisme violent et du terrorisme. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit plus haut, les groupes terroristes sont en train d'atteindre les pays côtiers. Et donc, pour moi, au lieu d'attendre que ce soit le groupe qui imprime la stratégie, qui imprime le rythme, les États devaient, dès à présent, avec déjà les organisations régionales et les organisations sous-régionales qui existaient, devaient être en mesure de trouver une solution, devaient être en mesure d'anticiper et pour ne pas être à courir chaque fois et pour créer d'autres organisations encore qui, en un temps record, sont dépassées. Donc, voilà pour ce qui est de ma contribution pour les deux questions. Merci. Merci beaucoup à vous. Je passe tout de suite la parole à M. Cléophas Dioma qui a quelques questions du public pour vous. Merci beaucoup, Toadi. Je vais lire certaines des questions. Il y a des questions qui ont déjà trouvé des réponses. On a parlé de l'absence de l'État dans certains de ces pays, le fait que l'État n'a pas été capable d'affronter la situation, surtout dans les trois pays. On voit la situation au Mali qui justement est en train d'être affrontée par des chefs d'État qui ont dû justement y aller pour que ça ne parte pas de tous les côtés. Et il y a une question qui m'arrive sur la valeur ajoutée de la force Takuba, surtout qu'on ne sait pas de quelle manière ça peut avoir un effet sur les populations. Je crois que la question qui revient, et j'ai participé à une des talks organisées par les organisations de la société civile des trois pays où avait participé Madame Bakayoko, où on disait que il y a tout un travail qui a été fait au niveau militaire, mais les populations, la société civile a été abandonnée. Donc, peut-être on va demander à Madame Bakayoko pourquoi apparemment
la société civile africaine, les populations sont complètement, apparemment abandonnées par le processus et les projets qui ont été élaborés par les États pour justement lutter contre le terrorisme. Parce que c'est eux qui subissent et parfois, c'est eux qui participent aussi, c'est des parties prenantes du terrorisme. Et la question qui nous est posée, voilà pourquoi on n'essaie pas de valoriser, de mettre à disposition l'expertise africaine, l'organisation de société africaine, des villages, de manière qu'on puisse affronter ces problèmes de la bonne manière. Et il y a aussi une question qui a été posée sur la force Barkhane, mais je crois que la réponse a été aussi arrivée à travers vos questions. Et là aussi, c'est toujours le fait pourquoi on n'arrive pas à élaborer des réponses afro-africaines, pourquoi c'est toujours des réponses qui sont toujours liées à la communauté internationale quand le problème est vraiment un problème africain et peut-être qu'on aurait pu trouver des solutions directes, internes, sans être toujours obligé d'appeler la communauté internationale. Donc, essayer de savoir s'il y a la possibilité de trouver des solutions endogènes, comme dit aussi M. Sambé, ou c'est vraiment une obligation de toujours parler avec l'Europe pour trouver des solutions à des problèmes, à des problématiques qui sont liées directement à nos réalités et au contexte qui est de la zone Sahel. Donc, je vais laisser la parole à Mme Bakayoko, que je crois qu'elle, étant maman, elle doit y aller. Et en la remerciant, on va lui laisser répondre à ces deux questions et puis aux autres speakers qui sont encore là, qui vont aussi essayer de répondre aux questions que tu as posées. Je sais aussi qu'il y a monsieur, que je récupère son nom. Nino Sergi. Il y a Nino Sergi qui a parlé, mais surtout il y a un monsieur du public qui voulait intervenir. Et ce serait bon d'écouter M. Chartoriska qui voulait dire quelque chose sur la thématique qui a été affrontée aujourd'hui. Donc, on va l'écouter. Mais on va laisser tout de suite la parole à Mme Bakayoko qui a besoin de justement répondre et puis bon, faire un peu d'autres activités. Merci surtout de la participation à cet événement. Merci. Donc, en effet, toutes mes excuses de devoir vous quitter. En effet, c'est le volet gender, voilà, quand on travaille avec des femmes, avec des mamans, c'est ça la réalité. Non, juste pour réagir très rapidement, sur la force Takuba, à titre personnel, pour moi, cela fait partie des instruments dont je doute beaucoup de l'impact, pour diverses raisons, et notamment parce que traditionnellement, des forces spéciales sont des acteurs qui interviennent dans des cadres extrêmement nationaux. Là, aujourd'hui, leur mandat est d'accompagner et non seulement de travailler dans un cadre multinational et non pas européen, j'y insiste, parce que c'est un projet européen, mais qui n'est pas affilié à l'Union européenne. Ça n'est pas affilié à la politique européenne de sécurité et de défense. C'est important de le dire. Donc, je doute qu'il soit facile pour des forces spéciales, étant donné leur mode d'action traditionnel, d'accompagner des forces sahéliennes d'une part et d'autre part d'interagir les unes avec les autres en raison de culture, pour des questions de culture que des questions de langue. Pour la question du rôle des organisations de la société civile, aussi bien que celle d'une approche véritablement africaine, de ce point de vue-là, je rejoins tout à fait à 100% le docteur Samb, mon ami Bakary, qui a entièrement raison. Pour moi, le défi aujourd'hui, c'est en effet de faire valoir des stratégies africaines endogènes auxquelles les puissances ou les partenaires extérieurs pourront apporter leur soutien. Mais cette démarche ne peut venir que des Africains eux-mêmes. Ce n'est pas aux partenaires extérieurs de les faire émerger. Il y a bien entendu un certain nombre de programmes, et notamment de programmes qui aident les organisations de la société civile, et ils sont extrêmement positifs dans leur approche, dans leur philosophie. Mais il faut, à mon avis, absolument qu'aujourd'hui, il y ait un mouvement qui se mette en place pour penser l'Afrique d'un point de vue stratégique, au niveau militaire, au niveau économique aussi, sans doute, mais
pour éviter qu'en effet ce soit des approches plaquées de l'extérieur qui prévalent. Et je pense qu'aujourd'hui, l'échec de l'ensemble, l'échec relatif ou pas, de l'ensemble des moyens internationaux qui ont été déployés au Sahel, constitue, dans le malheur ambiant, peut-être qu'il y aura un effet positif, celui de donner une voix beaucoup plus grande aux acteurs africains, qu'il s'agisse des acteurs multilatéraux africains, des acteurs étatiques ou des acteurs de la société civile. Voilà, je vous remercie et j'ai beaucoup apprécié ces échanges qui m'ont aussi beaucoup apporté à titre personnel. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci à vous. On aimerait vous avoir un jour, tous les orateurs ici en Italie, à Rome ou à Milan, pour en discuter. Merci bien de votre disponibilité et de votre éclairage. Ciao, ci vediamo. Ciao. Ciao, ci vediamo. Alors, on peut peut-être passer la parole à notre public. Oui, on va peut-être laisser la parole au monsieur italien qui voulait intervenir. Et, exactement. Voilà. Monsieur Charles. Madame. Voilà, oui, vous parlez de moi peut-être. Pardon, c'est Madame Certoliska. Bonsoir. Non, c'est pas un problème. Je me présente brièvement. Je suis architecte et j'ai travaillé longtemps d'abord en Érythrée, après en Gambie et en Guinée équatoriale. Et notamment en Gambie, j'ai vécu 6 ans où j'ai ouvert une petite, un petit lodge, voilà, donc quelque chose de touristique, dans une région rurale. Alors, il y avait un monsieur qui, j'ai pas retenu son nom, qui parlait par rapport au transit du flux migratoire. Il parlait de développer les zones rurales parce que notamment, bon, c'est clair, les zones rurales en Afrique, je crois, c'est les zones où il y a le plus de flux migratoires des jeunes qui partent de leur village pour venir en Europe. Et avant, on parlait aussi de la perception qu'on a en Europe, de la perception et la complexité du danger qu'il y a dans la zone en discussion. Je voulais faire un lien. Sûrement en Europe, maintenant on parle de l'Italie, les Italiens n'ont pas vraiment une perception de ce qui se passe dans les pays où les migrants doivent passer pour arriver en Italie. Mais moi je me demande toujours, tous les nouveaux jeunes qui décident maintenant de faire ce voyage pour venir en Italie. Eux, ils ont très bien compris la complexité et le danger, surtout parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont fait la même route avant eux, et même des camarades, des mêmes personnes de leur famille, des amis, etc., etc. Donc, parfois, je me demande. Bon, d'abord, il y a deux facteurs. Premier facteur, la sécurité, donc en laquelle on parle. Madame, s'il vous plaît, allez à votre question. Oui, c'est vraiment aussi dangereux. Bien sûr, c'est dangereux. Mais donc, le danger, c'est pas aussi important pour ces gens, le danger pour arriver en Italie, alors que peut-être ils partent dans un pays où il n'y a même pas un danger vrai, mais ils doivent passer dans un pays où il y a un vrai danger pour aller dans un autre pays, un. Et deux, aussi, très brièvement, la zone rurale. OK, développer les zones rurales. Mais les zones rurales, les gens, ils sont très bien, ils veulent vendre tout ce qu'ils ont, même pour envoyer leurs enfants en Italie, par exemple. Et je crois aussi que toutes ces organisations de locales, on parle, ils sont très bien infiltrés aussi dans les zones rurales. Et donc, moi, je vois ça, bon, voilà, un peu négatif. Voilà, merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Merci à vous, madame. Merci. Je demande à nos orateurs une réaction très rapide
de façon à aller tout de suite vers la conclusion. On va demander à M. Sabadogo, M. Bakary, M. Kazola, si vous voulez, en une minute et demie, répondre. Oui, très rapidement. On parle souvent des pull factors par rapport aux migrations. Je crois qu'il y a, en revanche, beaucoup de push factors qui, à certaines fois, peuvent pousser les gens à partir, même s'ils savent que le voyage est dangereux. Et on parle d'une situation économique qui ne peut pas être satisfaisante, d'inspiration individuelle. On ne peut pas nier que des jeunes Africains ont des ambitions veulent partir aussi pour pouvoir réaliser ces ambitions-là. Donc, je crois qu'ils savent que le voyage peut être dangereux, mais à des fois, ils vont considérer que le jeu peut être joué là. On peut dire ça, à mon avis. Je ne sais pas si les collègues peuvent dire quelque chose d'autre. Merci. Merci beaucoup, M. Kazola, et de votre participation qui a été très précieuse pour nous. Merci beaucoup. J'aimerais ajouter que, effectivement, l'abandon de ces zones rurales-là contribue effectivement à accentuer cette migration vers les pays occidentaux, vers les pays européens. Et aussi, c'est même une source de financement pour ces groupes terroristes. Parce que de plus en plus, ils sont installés sur cette bande de trafic, cette bande de transit par les migrants. Et donc, ils servent de passeurs au niveau de cette bande. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'extrémisme violent, doit prendre plusieurs dynamiques en compte. La dynamique du trafic des êtres humains, la dynamique de la criminalité et la dynamique de l'orpaillage aussi. Ce qui veut dire que si nous nous focalisons uniquement sur cette guerre et sans se focaliser sur les autres dynamiques qui gravitent autour du terrorisme, et effectivement, nous allons faire fausse route parce que toutes ces dynamiques-là contribuent effectivement à financer ce terrorisme, dont le passage des migrants d'une zone à une autre et jusqu'à vers les pays occidentaux. Donc, parfaitement, il faut que ces zones rurales-là soient développées. Et malheureusement, c'est les zones rurales qui sont les plus touchées par cette violence extrémiste. Donc, pour moi, il est vraiment primordial d'en faire une priorité. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bakary, vous voulez réagir très rapidement? Monsieur Bakary n'est pas là, vraisemblablement. Cléophas, est-ce que nous voulons passer aux conclusions? Allô, je suis là. OK, monsieur Bakary, vous avez de la parole. Voilà, je voulais simplement dire aujourd'hui, c'est une question de la jeunesse de manière générale. De la même manière que la jeunesse européenne est traversée par des questions existentielles, les jeunes européens qui partent à l'État islamique en Syrie ne sont pas pauvres. Ils sont en quête de sens de leur vie. De la même manière, les jeunes de chez nous qui vont dans les mouvements djihadistes ou dans l'immigration sont dans la quête d'une chance économique. Je crois qu'il faudra, dans la reconstruction, comprendre ces dynamiques-là, comprendre que les humains ont toujours suivi les flux financiers et passer à un monde beaucoup plus solidaire, beaucoup plus viable et beaucoup plus, je veux dire, tourné vers le développement durable, un développement partagé. Parce que nous avons les mêmes défis. Ce sont aujourd'hui, c'est la migration ou autre chose. Si ça ne va pas ici, vous allez en recevoir les conséquences chez vous, soit par des vagues d'immigration que vous ne pouvez pas arrêter, soit par des vagues de terrorisme que nous partageons tous. Il faudrait passer à un autre monde beaucoup plus solidaire et beaucoup plus juste sur les ressources naturelles, sur la manière d'acheter les produits africains. Je crois que c'est un débat plus global et plus compliqué que seulement la quête du gain ou de la part vers l'Europe.
Merci beaucoup, Monsieur Bakary Samba, pour votre éclairage. Je profite de l'occasion pour remercier tous nos orateurs, Madame Niagbe Bagayoko, Monsieur Giuseppe Mistretta, Monsieur Bakary Samba, vous-même, Monsieur Camilo Casola, Mahamoud Savadogo, et je crois qu'il est d'entendre les conclusions de l'ambassadeur Sergio Vento, ancien ambassadeur d'Italie en France, et surtout président de Vento et Associati. Ambassadeur Vento, à vous la parole. Merci. Bon. Mon ami, il est assez évident que le Sahel a importé ces derniers 20 ans la déstabilisation venant d'ailleurs, parfois de très près, parfois de très loin. On a touché pendant le débat, pendant plusieurs des interventions, disons le second tour, le deuxième tour des interventions, des références au rôle stabilisant, si vous voulez, de l'Algérie, le rôle du Maroc, hélas. C'est des grands pays africains, nord-africains et africains, finalement, ont été aussi, comment dirais-je, séparés par une sorte d'antagonisme ces derniers 45 ans en particulier. Et on n'a pas entendu parler d'ailleurs d'une déstabilisation venant de très près, par exemple du Nigeria. Surtout pour ce qui concerne le Niger, le Tchad, le Burkina. En ce qui concerne la déstabilisation venant de très loin, bon, on parle d'Al-Qaïda, ce mouvement qui surgit dans le Hadramout, dans le sud de l'Arabie Saoudite, réapparu de façon, disons, dévastatrice à New York. Après, on l'a retrouvé en Afghanistan, finalement en Syrie, sans parler évidemment de l'État islamique, quelque chose qui est mystérieux, l'État islamique surgit soudain il y a 6 ans en Irak, on l'a retrouvé plus tard en Syrie. Bon, il est évident que le Sahel a importé la déstabilisation, et cela est assez normal, s'agissant d'un grand carrefour, un carrefour de civilisation, un carrefour de courant économique, commercial, entre la mer Rouge et l'Atlantique, entre la Méditerranée et le golfe de Guinée. Donc, un vrai carrefour sur lequel est évident qu'on jouait et joue des facteurs, si vous voulez, d'ordre stratégique, géopolitique, qui, hélas, ont raviver aussi évidemment des conflits intercommunautaires, des problèmes de retard dans le développement, des responsabilités assez évidentes aussi de la part, si vous voulez, pourquoi pas, de la puissance européenne qui a été hégémonique dans la région et qu'il y a encore aujourd'hui. À mon avis, pour ce qui concerne la crise du Sahel, et aussi la décision italienne de partager la responsabilité avec la France, l'Allemagne, etc. Le vrai moment de vérité a été le sommet G5 Sahel France à Pau en janvier dernier. Je parle du moment de vérité car, selon mes informations, enfin, le débat était assez, comme on dit dans le langage diplomatique, très franc, très ouvert, mais finalement, en mettant, si vous voulez, des accents sur ce qui se passe dans la région, en particulier la crise au Mali. Moi, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs les interventions du docteur Sambé, qui nous parle de cette glorieuse Timbuktu, enfin, un vrai carrefour culturel et de civilisation, quand il a mis l'accent sur, si vous voulez, le chèque, la déception aussi de la coopération régionale, sub-régionale. Alors, il est évident
Le problème d'Israël est un problème, comme on l'a dit, afro-africain. Et donc là, il faut faire attention de la part des pays, moi je parle pour l'Italie évidemment, à ce qui peut paraître à un certain moment, vous avez des opinions publiques, dans les rapports entre les gouvernements du G5 Sahel et leurs opinions publiques, peut sembler, peut paraître comme une sorte d'ingérence. Donc, il faut bien doser la dimension sécuritaire, militaire, avec la dimension développement, soutien aux efforts de réforme dans la société civile et dans les dynamiques économiques et sociales des pays du Sahel. Or, il est évident que l'Italie a joué beaucoup pour ce nouvel intérêt vis-à-vis des problèmes sahéliens. Les flux migratoires qui ont traversé la région, ont traversé la Libye, qui ont traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Italie. Mais il est évident aussi que l'Europe peut avoir des responsabilités. Des responsabilités, comme je le disais tout à l'heure, non seulement d'ordre sécuritaire et militaire, mais aussi sur le plan du développement. Il est assez décevant, et j'ai entendu justement des commentaires pendant les interventions qui m'ont précédé, le rôle de la coopération afro-africaine, donc de l'Union africaine. Il faut aussi le souvenir que l'Union africaine, en 2011, a subi à son tour une sorte de choc par les événements en Libye. Par la suite, a dû enregistrer, toujours le long de l'axe entre la mer Rouge et l'Atlantique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'axe Est-Ouest, aussi le premier phénomène d'une sécession d'un pays indépendant, le Soudan. Je ne veux pas rentrer dans le mérite de la gouvernance de Khartoum, mais enfin, il y a eu un cas de sécession. Et donc là, il faut faire attention, car à mon avis, les dynamiques sahéliennes peuvent atteindre des niveaux et des résultats vraiment inquiétants pour tous. Je conclue cette intervention pour mettre l'accent sur non seulement la qualité du débat d'aujourd'hui, mais aussi sur le fait qu'il y a une nouvelle awareness, une nouvelle conscience, une nouvelle connaissance des dynamiques qui sont à l'œuvre dans les pays du Sahel, c'est-à-dire donc du contexte international, mais aussi du contexte régional et du contexte national des différents pays de la région. Merci encore à M. Touadi pour comment il a dirigé ce débat de façon magistrale, et à M. Cléophas, directeur, brillant directeur de Italia Africa Business Week, qui contribue de façon très méritoire à accroître en Italie la connaissance des problèmes et à stimuler aussi un intérêt concret, non seulement intellectuel, pour les problèmes du continent africain. Merci bien. Merci à vous, ambassadeur Vento, président de Vento et Associati, pour cette conclusion. Une nouvelle conscience, une nouvelle connaissance, vous avez dit. Je crois que c'est ça qui a animé Cléophas et son équipe pour organiser ce débat, parce que nous devons connaître, nous devons approfondir et nous devons surtout prêter l'oreille aux dynamiques locales, parce que c'est aux dynamiques locales d'apporter les solutions, quelqu'un disait, à partir desquelles l'aide internationale peut se greffer. Et donc, merci beaucoup pour cette conclusion et pour ce souhait d'une nouvelle conscience et d'une nouvelle naissance, non seulement des questions du Sahel, mais des questions de l'Afrique en général et du monde, parce que cette émergence que nous avons vécue du COVID-19 nous a démontré, s'il en était besoin, les interconnexions et les interdépendances qu'il y a dans le monde et surtout entre l'Afrique et l'Europe. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Je passe pour la conclusion, la parole à Cléophas, tout en le remerciant encore pour avoir organisé ce moment de réflexion.
Merci à toi, Toadi. Je pense que l'ambassadeur Bent a déjà conclu, donc je ne ferai seulement que remercier tous ceux qui ont participé à ce talk, ceux de l'Afrique, ceux de l'Italie. Je vais te remercier, toi, qui, malgré tes grandes responsabilités, je sais que tu es arrivé directement de la Suisse, participer à cet événement. Donc, je te remercie beaucoup pour cette présence et pour l'accompagnement. Je ne vais pas m'attarder à remercier M. Mamadou Savadogo, M. Bakary Sambé, M. Camilo Cazola, Mme Bakayoko qui est partie. Je vais remercier aussi Andrea Vento, qui est un partenaire, un ami. Remercier Marguerite, qui est derrière les quintes. Merci, Cléo. Pour organiser ce talk. On a travaillé ensemble avant. Et on est arrivé ensemble aujourd'hui, donc je pense que c'est une belle collaboration qui doit être renforcée. Remercier tous ceux qui ont participé aujourd'hui à ce talk et remercier encore l'ambassadeur pour les paroles qu'on a reçues aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et pour dire une chose, c'est vrai, nous on aimerait d'ici l'année prochaine, en espérant que ça soit possible, organiser en présence, donc avec la possibilité de vous avoir avec nous ici en Italie, un débat qui pourrait justement élaborer aussi une stratégie italo-africaine, parce que nous on a ce devoir en tant qu'Italien, Africain en Italie, de voir de quelle manière ce pays, le nôtre, peut être utile au développement de notre continent. Et les expertises, les compétences d'une personne comme Toadi, de Marette, de tous ceux qui sont autour de ce groupe, de travail qu'on a créé, peuvent être utiles dans cette connexion. Et ce serait bon d'avoir aussi le point de vue des experts qui sont africains, qui vont sûrement nous aider dans la réalisation d'un point de vue, d'une stratégie, d'une proposition qui soit une proposition utile à l'Italie et justement à l'Afrique. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Ciao Cleofas, grazie di tutto. Grazie a te, ciao. Merci Cleo, au revoir, alla prochaine. Grazie. Grazie Cleo, a presto. Grazie a te. Ciao Cleo. Ciao, ciao, ciao. C'était vraiment un plaisir. Merci Bakary. Après, on reste en contact, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Yes. Il faut qu'on continue à travailler ensemble avec... tous ceux qui ont participé, on va aussi demander les conseils, l'accompagnement de nos grands frères et de nos papas qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, au revoir. Merci, merci, au revoir, merci. Grazie, Cléo, ciao. Grazie, ciao. Ciao, Merit. Ciao, 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 grazie. Ciao. Ci siamo persi di vista, grazie a tutti. Ciao. Ambassadore, grazie mille per le parole che ha speso anche per l'Italia Africa Business Week. Bene, molto bene, complimenti e buon lavoro ancora. Grazie, speriamo che sia l'inizio per una lunga collaborazione. Molto bene, volentieri, volentieri. Di presto. Ho detto il 10% di quello che dovevo dire, ma insomma il tempo poi stringeva e alcuni dei partecipanti ho visto che si erano già congedati. A presto, buonasera. A presto, grazie. Ok, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao Bertrand.